Le voyage à travers les yeux d'artistes, c'est le thème de cette exposition à Berlin nommée We Are Often, qui rassemble une centaine de gravures et de photos de voyageurs qui ont su, avec un simple stylo ou pinceau, résumer et illustrer leur périple bien avant les smartphones et Internet. Voyager a toujours été essentiel pour tout le monde. Cela commence avec ses jambes pour explorer le pâté de maison autour de chez soi. Voyager, cela permet de répondre à la question « À quelle région est-ce que j'appartiens ? Où est ma maison ? Où se trouve-t-elle ? » Au siècle dernier, des carnets de voyage, des aquarelles ou des croquis à huile étaient réalisés par des illustrateurs qui voyageaient aux côtés d'explorateurs et de scientifiques. Puis de nouvelles techniques d'impression ont démocratisé la carte postale artistique. Giambattista Piranesi était très connu au XVIIIe siècle pour ses gravures. Ces gravures sont reproductibles, fabriquées en série, comme cette merveilleuse image du Colisée derrière moi. De nombreuses reproductions de cette image ont été publiées jusqu'en 1930. Aujourd'hui encore, vous en retrouvez dans presque toutes les enchères. C'était comme un tableau que vous rameniez avec vous à la maison pour l'accrocher sur le mur et le montrer aux amis et à la famille. Si vous voulez prendre la route avec ces souvenirs de voyage, l'exposition a lieu à Berlin au musée des estampes et des dessins jusqu'à fin septembre.